Bonjour à tous et bienvenue dans ma chambre, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo story time où je vais vous parler de mes différentes expériences en tant qu'hôtesse d'accueil. J'ai décidé de découper cette vidéo en vous expliquant d'abord ce qu'est le métier d'hôtesse d'accueil. Ensuite, je vous parlerai des différentes obligations d'une hôtesse d'accueil qui peuvent un peu surprendre quand on ne connaît pas trop ce métier. Et enfin, je vous parlerai de quelques petites anecdotes, certaines drôles, certaines un petit peu moins. On y va! Dans cette vidéo, je vais surtout parler des agences d'hôtesse. Je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginons qu'un prestataire, donc un grand groupe, ait besoin d'hôtesse pour son accueil. Il va faire appel à des agences d'hôtesse qui, elles, sont spécialisées dans le recrutement d'hôtesse. Et comme ça, elles peuvent trouver des personnes qui correspondent aux clients. Moi, j'ai postulé directement dans les agences d'hôtesse et donc c'est auprès d'elles que j'ai eu mon expérience. Je crois que j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse en 2016 et que j'ai continué jusqu'à fin 2019. Donc ça a été quand même une longue période et donc j'ai quand même pas mal d'expérience. Je tiens à préciser que je ne citerai aucun nom d'agence d'hôtesse parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème, mais que je ne tiendrai pas forcément ma langue parce qu'il y a des choses qui se sont passées que j'estime anormal, et d'un autre côté je vais prendre ça aussi sur le ton de l'humour parce qu'aujourd'hui j'en rigole, donc c'est le principal. A savoir qu'on dit hôtesse mais qu'il y a aussi beaucoup d'hôtes d'accueil. On va partir sur le terme hôtesse d'accueil. Les missions sont simples, il s'agit d'accueillir les visiteurs qui se présentent généralement dans les entreprises. Il peut y avoir de la création de badges, on peut récupérer le courrier, répondre au téléphone, enfin bref, il y a plein d'autres tâches qu'il y a autour, mais la tâche première c'est d'être là pour accueillir le visiteur. Les agences d'hôtesse le soulignent bien, vous êtes en gros le visiteur de l'entreprise, vous êtes la première personne que les gens voient, vous êtes un petit peu la marque. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout plein d'obligations autour de l'hôtesse d'accueil, parce que il y a beaucoup de critères qui sont physiques, on va dire. Première obligation, c'est bien entendu de porter un uniforme. La plupart du temps, il s'agit d'un pantalon de tailleur et d'une jupe de tailleur, ainsi que la veste et souvent un t-shirt à mettre en dessous. Avec, bien entendu, escarpins ou talons obligatoires. Et en fait, je vais tout simplement vous lire les termes d'un contrat pour que vous vous rendiez compte un petit peu jusqu'où ça peut aller parfois. Cheveux attachés en chignon ou queue de cheval, impeccablement en majuscule, plaqués et laqués. Veillez à avoir toujours le visage dégagé. Maquillage de journée impeccable, entretenu tout le long de la journée. Port obligatoire d'un rouge à lèvres discret. Pas de rouge à lèvres rouge, manucure obligatoire, soit French, soit vernis incolore, pas de vernis de couleur, pas de bijoux, sauf une alliance ou une bague de fiançailles, pas de piercing, pas de tatouage, boucle d'oreille interdite, le port d'une montre est obligatoire. Attention, prévoir dans votre sac à main une paire de collants de rechange, venir muni de votre trousse de toilette personnelle, brosse à dents, lac, barrette noire, élastique noir, déodorant et maquillage. Le salarié s'engage à respecter l'ensemble des consignes stipulées dans ce briefing. Je trouve que ça fait beaucoup, enfin surtout la trousse avec le déodorant, le maquillage, la brosse. En gros, tous les matins, tu prépares une valise pour aller travailler. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des choses que l'on peut nous demander en tant qu'hôtesse. Et il y en a bien d'autres, de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure de mes anecdotes. J'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse. Au début, j'étais toute jeune, donc j'avais déjà eu des expériences professionnelles, surtout dans la restauration. Donc j'avais déjà les épaules bien accrochées. Mais c'est vrai que je pensais que le monde de l'hôtessariat serait un petit peu plus cool. Et je vous avoue que j'ai vite déchanté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter mes trois anecdotes les plus marquantes que j'ai eues lors de mes expériences d'hôtesse. Partons sur ma première anecdote, la fois où j'ai renversé du champagne sur une cliente. Vous allez me dire, mais Najette, pourquoi tu sers du champagne? T'es hôtesse ou t'es serveuse? Eh bien, figurez-vous que c'était en 2019. Ça faisait déjà longtemps que j'étais hôtesse, j'avais fait énormément de postes et je m'ennuyais à mourir sur la plupart. Et donc, je me suis dit que ça serait bien de changer un petit peu. Et il se trouve que mon agence proposait un poste d'hôtesse boisson. Mon travail consistait à servir les boissons aux clients qui venaient pour acheter. Comme on est dans un magasin de luxe, il doit y avoir un service de luxe. J'étais donc là avec mon uniforme. Je pense que j'ai des photos, je vous en mettrai. Je devais servir parfois du jus d'orange, parfois du coca, parfois des cafés et du champagne quand il y avait des gros achats. C'est une journée dont je ne me souviens pas énormément, je vous avoue, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait un couple qui était entré dans la boutique et qui s'était installé sur les magnifiques canapés de cette magnifique boutique. Et donc, on m'a demandé de venir leur servir du champagne. Il faut savoir que moi, quelques temps avant, je m'étais fait une entorse à la main gauche. Et donc, je n'utilisais que ma main droite. Par contre, c'est vrai que pour ouvrir les bouteilles, pour servir, j'avais beaucoup moins d'attache en fait, parce que j'avais plus ce pouce-là. Il semble, si je dis pas de bêtises, qu'on m'avait demandé de ne pas porter mon attelle pendant que je travaillais, de la porter uniquement quand j'étais dans les cuisines ou dans des moments où
on me voyait pas parce que ça dérangeait en fait. Quand j'y pense, franchement. Et donc on m'a demandé de venir servir le champagne, je suis venue avec mon plateau. Et je ne saurais vous expliquer comment. Je sais pas, genre, je sais pas, écoutez, je sais pas. Il s'est passé quelque chose qui fait que les deux coupes de champagne se sont retrouvées sur la dame qui était en train de faire son achat. Donc heureusement, ça n'a pas touché le sac qu'elle avait dans les mains, parce que sinon, j'aurais été foutue. Ça a touché tous ses vêtements, ça s'est renversé sur le canapé et sur le tapis. Et là, elle se met à crier, genre, tout le monde dans la boutique se retourne, tout le monde me regarde, tout le monde la regarde, elle commence à me crier dessus. Et c'est là que je réalise que c'est une Française. Elle me dit, mais c'est pas possible, vous pouviez pas faire attention. Non mais sérieusement. Et elle était vraiment, genre, je me souviens pas ce qu'elle m'a dit, je vous avoue. Mais elle était exécrable, tout simplement. Moi, je commence à essayer de ramener des choses pour l'aider à nettoyer. Sauf qu'elle veut absolument pas de mon aide. Elle me fait très bien comprendre, genre elle me lance des regards atroces. Son mari était un petit peu plus gentil et me regardait l'air de dire, je suis désolée en fait. Parce que tout le monde était en train de nous regarder comme si c'était un truc de fou. Alors que bon, excusez-moi, mais ça arrive en fait, c'est des choses qui arrivent. Je sais que ça fait chier, mais ça arrive. Et à ce moment-là, elle commence à dire qu'elle veut plus acheter, qu'elle veut partir en fait. Donc là en fait, je venais de faire capoter une vente, donc c'était vraiment pas cool. Et donc à ce moment-là, moi je commence à prendre mon plateau, à ramasser les coupes, à aller dans la cuisine, et je fonds en larmes. Et j'ai eu de la chance parce que les hôtesses ont été très gentilles, elles m'ont dit c'est pas grave, on s'en fiche. Même les vendeuses sont venues et m'ont dit mais c'est pas grave, t'inquiète. Que, en tout cas on avait été vachement gentilles avec moi et qu'on m'avait dit non mais c'est pas grave, franchement c'était une connasse, elle était pas sympa. Et donc voilà quoi. Après ça, j'ai démissionné, clairement, j'en pouvais plus, de toute façon, ça faisait un bout de temps que je voulais partir. La deuxième, c'est... Eh bien écoutez, je vais intituler cette story time le périple. Je travaillais au sein d'une grande entreprise à la défense. Il se trouve qu'un jour, ma responsable d'agence avec qui je travaillais est venue me voir et m'a dit, écoute, ça passe pas trop avec les employeurs, ils sont pas hyper contents. En fait, je crois que ta tête leur revient pas. Et comme je trouve que c'est injuste, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais te placer ailleurs. T'inquiète, il n'y a pas de problème. On va te changer de place. Moi, je comprends pas trop. Je dis, écoute, je te propose de te mettre en tant qu'hôtesse volante. Ce qui fait qu'en fait, tu travailleras régulièrement sur plein de sites différents. Tu feras des remplacements. Ça va t'aider à changer. Et peut-être que tu t'ennuieras moins. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Il me dit que je vais rencontrer son collègue qui s'occupe justement des hôtesses volantes. Je le rencontre, il m'explique un petit peu le boulot en lui-même. Et donc voici la liste de tous les sites sur lesquels on travaille, mais on va te mettre dans des choses qui sont proches de chez toi. A savoir que quand on travaille avec des agences, on leur donne notre adresse. Et lorsqu'ils vous proposent des postes, en fait, ils regardent par rapport à chez vous grâce à des sites comme la RATP qui vous dit à peu près combien de temps vous mettez pour y aller, etc. Donc ils savent où est-ce qu'il vous envoie. À ce moment-là, moi j'ai mon rendez-vous, tout se passe bien, il me dit écoutez, je vous appelle la semaine prochaine pour commencer. Je reçois un mail qui me dit que je dois me présenter à l'agence pour venir récupérer mon uniforme et qu'ensuite je serai envoyée sur le site là où je dois faire un remplacement. Je me présente à 11h à l'agence. À ce moment-là, on me confie plusieurs uniformes et donc je me retrouve avec un truc qui pèse grave, les gars. J'avais une veste de costard, une deuxième veste de costard, une jupe, un pantalon et des t-shirts. Donc c'est hyper lourd. Donc il me donne tous mes uniformes et il m'annonce l'endroit où je vais devoir aller travailler. On m'attend dans 1h30 à Morangis. Alors il faut savoir que l'agence se trouve déjà mais à l'autre bout. Vous imaginez Paris ? J'ai tapé l'agence, j'ai tapé l'adresse de l'endroit où je devais aller. Je devais traverser tout Paris pour aller de l'autre côté. À ce moment-là, moi je réalise qu'il va y avoir un petit souci. J'avais pas payé ma facture, donc j'avais pas de 4G. Qui dit pas de 4G, dit pas de Google Maps. Qui dit pas de Google Maps, dit nager de face perdre. Vous le savez. Et je le sais. À ce moment-là, heureusement, j'ai pris mon courage à deux mains. Excusez-moi, j'ai pas payé ma facture, donc j'ai pas accès à la 4G. Est-ce que vous pouvez m'imprimer le trajet pour que je puisse un petit peu me situer et trouver correctement le site ? Donc je me retrouve avec ma petite tenue d'hôtesse, mes 50 tenues sur le bras, mon sac à main avec tous mes trucs. Et là, je me dis, ok, là, tu dois aller à Morangis. Sur la feuille, il y a écrit que je dois prendre un bus. Je devais avoir au moins 35-40 minutes de trajet à tout casser. Je monte dans ce bus. Et là, je vois quoi ? Il va sur le périph. Ben, vous avez déjà vu des bus qui vont sur le périph, vous ? Parce que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais dans quel bourbier t'es allé te mettre, meuf ? Quand le bus me dépose enfin, je descends. Et autour de moi,
il y avait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est il y avait rien. En fait, j'étais dans une putain de zone industrielle. Je me retrouve là, avec mon truc qui pèse une tonne, mais ça je m'en souviens, j'avais tellement mal au dos. J'avais même pas encore commencé que j'étais déjà claquée en fait. J'étais tellement perdue, j'avais pas de 4G, j'avais pas de forfait. Je pouvais même pas appeler l'agence pour leur dire que j'étais perdue. Ça veut dire que j'étais là et je pouvais même pas faire demi-tour, les gars. Parce qu'il y avait même pas l'arrêt de bus qui te permet de faire demi-tour. J'étais vraiment perdue. Et je ne sais pas par quel miracle, j'ai fini par trouver le site sur lequel je devais travailler. Je suis arrivée avec au moins, mais alors au moins une heure de retard, voire même une heure et demie de retard. Quand je suis arrivée, l'hôtesse qui travaillait sur place était choquée, déjà, parce qu'elle m'a dit « mais t'es venue en transport ». Alors qu'on est dans une zone où il n'y a que des voitures. Je me suis fait passer en savon en arrivant forcément parce que j'étais hyper en retard. On m'a dit mais qu'est-ce que t'as foutu? Et j'ai dit bah écoutez je me suis perdue. Enfin, en fait je me rends compte qu'on m'a envoyé à l'accueil d'un site de stockage d'archives. Si vous savez pas ce que c'est en fait, c'est un entrepôt en fait où on stocke des archives. Ce qui veut donc dire qu'en termes de passage, en termes d'ambiance, en termes de tu vois genre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me briefe un petit peu parce que je dois revenir le lendemain, les amis. Là, la formation était prévue pour aujourd'hui et le lendemain. Le soir, pour rentrer chez moi, je vous raconte pas, j'ai dû mettre facile 3 heures. Je suis restée à attendre à la gare de Juvisy-sur-Orge pendant au moins une heure parce que les trains étaient arrêtés, supprimés, retardés, tout ce que tu veux. Je suis arrivée chez moi, il était 21h, j'étais claquée et je devais refaire la même chose le lendemain matin. Donc j'appelle l'agence et je leur explique que voilà, le site où ils m'ont envoyé, c'est vraiment loin de chez moi. Pourquoi? Et donc on m'explique que oui, il sait, mais en fait, il a vraiment personne pour remplacer. Donc voilà, il n'y a que moi. Genre, j'accepte, je me dis bon ok, bah de toute façon c'est comme ça, il n'y a personne demain, l'accueil va être vide, j'ai pas le choix en fait, donc j'y vais. Le lendemain matin, rebelote, parce que j'ai toujours pas de facture, j'ai toujours pas de 4G, j'ai toujours pas d'argent, enfin ma vie n'a pas changé. Donc je me retrouve à retourner dans le 91, que quand je suis partie de l'agence, j'ai pris un itinéraire depuis l'agence, donc voilà. Mais ensuite quand je suis repartie de chez moi, l'itinéraire était complètement différent. Donc quand je suis arrivée encore au milieu de cette putain de zone industrielle, je me suis encore perdue parce que le chemin je le connais pas. Enfin, ma journée là-bas, ça a été un ennui mortel, il y avait strictement rien à faire. Il n'y avait pas internet sur les ordinateurs sur lesquels on était, c'était interdit. Donc vraiment, c'était une punition. En fait. Sauf qu'après cette journée rebelote pour rentrer chez moi, c'est un calvaire. Dans le RER, je reçois un appel de la femme avec qui je travaillais mais qui n'était plus ma responsable pour m'annoncer tout simplement que bah écoutez on met fin au contrat en fait, ça ne va pas marcher parce que voilà vous avez été en retard les 2 jours où vous étiez sur place, c'est inadmissible, vous savez que nous on n'accepte pas les retards donc ça va pas le faire. Sauf qu'en fait bah j'ai fondu en larmes, j'ai raccroché. On était censé faire ça pour me rendre service parce que ça, j'avais vécu une injustice en fait, on avait mis fin à mon contrat là dans un endroit où j'aimais beaucoup travailler sans raison. Il se trouve que quelques temps après, cette responsable qui s'occupait de me chapeauter, de me mettre dans certains endroits, s'est vantée auprès de certaines personnes que je connais d'avoir réussi en fait à me virer en douceur tout simplement. Ce que je viens de me souvenir, c'est que j'avais un contrat dans ce site à la Défense où je travaillais et ils ne pouvaient pas y mettre fin parce que j'avais dépassé ma période d'essai. Mais en acceptant de devenir hôtesse volante, eh bien ils m'ont fait un nouveau contrat avec une période d'essai, ce qui fait qu'en fait ils ont pu me virer facilement. Pas le métier d'hôtesse le problème ce sont les agences d'hôtesse et c'est la façon dont ils traitent leurs employés tout simplement. Mais nous allons y venir tout de suite parce que ma troisième anecdote ne me concerne pas, elle concerne une de mes amies dont j'ai bien entendu l'accord pour parler de cette histoire, d'ailleurs c'est elle qui a tenu à ce que j'en parle. On va parler harcèlement, on va parler harcèlement sexuel, on va parler un peu de discrimination, de sexisme, de toutes ces choses-là qu'il peut y avoir dans les métiers de l'hôtessariat, et surtout au sein des agences d'hôtesse. Et ça c'est quelque chose que je tiens à préciser. Je ne fais pas de critique vis-à-vis du métier, parce qu'en soi le métier est tout à fait respectable. Je fais des reproches aux agences qui recrutent des jeunes filles, des jeunes étudiantes, des jeunes en précarité qui ont besoin d'argent et qui font ce travail à côté de leurs études et qui se retrouvent pour certaines dans des situations inadmissibles. Donc nous sommes toujours en 2019, à cette époque-là je travaillais comme je vous disais à la Défense avec cette amie avec qui je m'entendais très bien. Dès le début nous avons été sous la hiérarchie d'un homme qui travaillait aux services généraux
Les services généraux, c'est ceux qui gèrent le courrier, qui gèrent la sécurité, plein de choses différentes. Donc, il n'était pas avec nous à l'accueil, mais on le voyait plusieurs fois dans la journée, il venait, il nous apportait. Cet homme-là a très vite commencé à être un petit peu dragueur. Alors avec moi, ça n'a pas marché du tout. Je trouve par contre qu'avec mon ami, qui était bien plus jeune que moi, eh bien, il a eu des propos déplacés. Au début, il lui proposait de venir manger avec lui. Ensuite, il lui demandait de descendre pour fumer une cigarette. Il cherchait vraiment à avoir des moments, on va dire, d'intimité avec elle. Mais il se trouve que elle en pouvait plus parce qu'elle arrêtait pas de lui dire non, je veux pas, non, je peux pas, je peux pas. Elle trouvait des excuses à chaque fois qu'il lui proposait d'aller manger. Et à un moment, elle me fait, mais Najette, là, j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais? Moi, je lui dis, mais pourquoi tu lui dis pas tout simplement que t'es un mec? Parce que de toute façon, c'est vrai. La prochaine fois qu'il te propose de venir manger avec lui, tu lui dis, désolé, je mange avec mon copain. Elle l'a fait et ça n'a pas marché du tout. En fait, il en avait strictement rien à faire de son copain. Il a continué à lui faire des avances, il a continué à lui proposer de manger. Sauf qu'au fur et à mesure, les petites phrases de drague se sont transformées en petites phrases avec des allusions sexuelles, par exemple. Il lui a dit que par rapport aux formes de son corps, ça se voyait que... elle devait être bonne au lit ou ce genre de choses. Et c'est grave, c'est très grave. Il venait encore plus à l'accueil pour lui parler, il était souvent dans les parages, il lui posait des questions de plus en plus déplacées et elle savait pas comment faire. À un moment, elle s'est confiée à l'une de ses collègues sur place et celle-ci a gardé ça pour elle, puis finalement a fini par en parler directement à la direction de l'endroit auquel on travaillait. Mais il se trouve que les choses ne sont pas du tout passées comme prévu parce que très vite, on lui a dit qu'il ne fallait pas inventer des choses comme ça, que c'était pas bien et que si ça continuait, ils allaient porter plainte pour diffamation. Il se trouve que l'agence d'hôtesse lui a tout simplement demandé de faire profil bas. Ils lui ont dit de faire profil bas, de ne pas en parler sur son lieu de travail, de ne pas en parler tout court en fait. Tout simplement en fait de se taire. Elle a quand même eu peur parce qu'il s'agissait quand même d'un gros groupe qui la menaçait de porter plainte contre elle pour diffamation. Donc forcément elle a pris peur, elle a pas su ce qu'il fallait faire et elle a décidé tout simplement de se taire. Elle a décidé de se taire et de trouver un autre boulot et de quitter cette agence d'hôtesse. Que dire de cette histoire ? J'ai travaillé vraiment avec beaucoup d'agences, c'est presque partout pareil. Je trouve qu'il y a beaucoup de discrimination, je trouve qu'il y a beaucoup de sexisme. Souvent, on se retrouve face à des personnes qui vous parlent comme si vous étiez des enfants, comme si vous en savez pas tant que ça, tu vois. Comme si quand tu dis quelque chose qui te dérange, quand tu dis qu'il se passe quelque chose, on va dire ouais, mais c'est pas si grave. Et surtout, encaisse avec le sourire. Parce que les responsables, les personnes qui sont là pour chapeauter les hôtesses, sont très rarement, je trouve, à l'écoute de leurs hôtesses. C'est à eux de faire attention à leurs employés. Venir sur les sites pour vérifier si vos hôtesses portent bien leur petite veste, leur crier dessus quand elles ont mis leur manteau par-dessus parce qu'il fait moins 12. Ils se trouvent à côté des portes qui s'ouvrent tous les jours, toute la journée en plein hiver et qu'elle vous dit qu'elle a froid et donc elle veut porter son manteau et que vous lui dites que non, ça marche pas comme ça dans le règlement. C'est normal quand vous vous présentez à l'accueil, que vous voyez que votre hôtesse a des cernes qui arrivent jusque là, qu'elle a l'air vraiment pas bien et que la première chose que vous lui dites c'est « Dis donc, tu voudrais pas aller te remaquiller parce que là... » Si vous tapez un petit peu les noms des grandes agences d'hôtesse et que vous tapez prix d'homme à côté, vous allez voir le nombre de cas qu'il y a pour des payes jamais versées, pour des soldes de tout compte jamais versés, pour du harcèlement moral. Il y a déjà en général un manque de considération pour ces métiers, c'est-à-dire que l'hôtesse d'accueil, dans l'entreprise, les gens ne lui disent pas bonjour, alors qu'elle dit bonjour. Avec mon amie, on s'est amusé à faire des croix à chaque fois que quelqu'un nous disait bonjour dans la journée. À la fin de la journée, on avait 5 croix alors qu'il y avait mais du passage. Rien que ça, c'est triste, mais bon voilà, c'est comme ça. Il y a un très gros problème de discrimination au sein de ces agences et je pense que vous vous en doutez. Énormément de critères physiques au moment du recrutement et il y a encore plus de critères physiques au moment où vous travaillez à l'endroit où vous travaillez. J'ai toujours l'impression que le ton sur lequel on nous parlait était vraiment un ton qui ne devait pas être employé dans le cadre du monde professionnel. Ça m'a appris vraiment, vraiment plein de choses vraiment intéressantes. Et je trouve aussi que ça nous forge. Moi, aujourd'hui, ce sont des situations dont je rigole. Mais je vous avoue qu'avec un petit peu de recul, je me rends compte que c'est quand même assez grave la façon dont sont traités les employés et que c'est quelque chose qui doit changer. Il faut revoir la façon dont sont recrutées ces hôtesses. Il faut revoir les contrats. Il y a des choses qui sont pas forcément nécessaire et je pense que cela pourrait peut-être aussi impacter sur la façon dont sont traitées les hôtesses. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à me laisser un j'aime, à me laisser un petit commentaire, un petit like et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.